Eh bien, salut tout le monde, les gens, c'est Clonel. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Moi, en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante puisque c'est la saison 14 de World of Tanks qui est arrivée en ce 9 août 2022. Et vous l'aurez compris, je vais vous en faire la présentation complète et détaillée aujourd'hui sur cette vidéo. Donc, on va tout de suite s'y lancer. Mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu afin de me soutenir et de bien référencer la vidéo. Et donc, du coup, on commence tout de suite avec le Season Pass. Donc, le voici. Donc, voilà. Là, saison 14 évolution, donc evolution à l'anglaise. Donc c'est plutôt bien parce qu'en fait cette mise à jour, tu vois, cette saison de World of Tanks améliore autant les choses en guerre froide qu'en seconde guerre mondiale. Donc voilà, c'est-à-dire que ceux qui aiment bien jouer en guerre froide seront gâtés et ceux qui jouent aussi en seconde guerre mondiale seront gâtés. Donc voilà, au moins ça fait plaisir pour les deux camps, pour les deux côtés. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voici le Season Pass. Donc celui, comme d'habitude, à 2000 pièces d'or, celui à 6000 pièces d'or. Je vais vous présenter celui à 6000 pièces d'or. Donc on a le Season Pass, 25 paliers qui sont déjà donné. Le char Premium, ça sera le T41E1, donc qui est un char Premium rang 8 qui appartient aux États-Unis. Donc c'est un char léger, donc je vais vous le présenter en détail. Donc le voici. Donc il faut bien s'en douter, en blindage, bah, il n'y a que dalle, hein, forcément. Et donc du coup, plus en détail, on a un char qui roule jusqu'à 70 km/h, donc c'est plutôt bien pour un tier 8, hein, c'est même normal. Le risque d'incendie très dangereux, 20%, il faudra faire attention à ça. On a 1100 points de structure, donc c'est plutôt correct pour un léger quand même. Après, il ne faut pas en demander trop non plus. La vitesse de rechargement est de 28,5 secondes, ce qui est quand même énorme. Mais en même temps, ça s'explique par ceci: il y a 10 obus dans le barillet. Punaise, c'est énorme. Là, faut le dire, c'est énorme. 10 obus dans le barillet avec un rechargement entre chaque obus de 2 secondes. C'est quand même incroyable. Et on a donc en munitions max 70 munitions. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vider 7 fois le chargeur. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que il n'y a pas tellement d'obus en fait. Enfin, je sais pas. Après, il faut voir, hein. Mais vu comme ça paraît quand même trop peu. Enfin, après, il faut voir. En tout cas, bah, ça fait énormément de dégâts quand même. La pénétration à 100 mètres, elle est quand même de 17,5 voire 21 cm pour de la gold. Alors, attention, un petit peu de mal à percer quand même les tiers 9 voire tiers 10. Donc, c'est plus un char dans lequel il faudra attaquer les ennemis par les flancs ou l'arrière. Donc, il faudra faire très attention à ça. Et en dégâts, comme je vous le disais, aux environs 170. Donc, quand même, pour 10 obus, ça fait mal. Et il nous sera offert avec un commandant de char, Sarah Segel. Donc, c'est plutôt sympa. Et un skin de véhicule, donc Killer Bee. Donc, dans un style un petit peu avec des abeilles. Donc, bon, pourquoi pas, c'est sympa. Donc, voilà, pour celui qui veut l'acheter, bah écoutez, faites-vous plaisir. Sinon, il y a le Season Pass à 2000. Et encore une fois, si jamais vous l'achetez celui-ci, bah, chose que je vais faire, vous aurez toujours la possibilité d'acheter. Donc voilà, moi c'est fait, je l'ai acheté. Donc la possibilité d'acheter l'extension à 4000 pièces d'or pour avoir donc le ultime, tout simplement. Donc là, je vais vous présenter qu'est-ce qui nous est offert. Bah écoutez, on va la faire rapide, hein, comme d'hab. On a des pièces, on a des consommables, on a des jours premium, bon, etc., etc. Voilà, je vous montre comme ça pour la faire vite parce que bon, on va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, voyez que au palier 25, pour ceux qui auront acheté le Season Pass, on aura le T34 Shield. Donc bon, c'est un T34, hein, pour la faire plus simple. Donc c'est un char soviétique, vous l'aurez compris, mais ultra ultra blindé comme on peut le voir. Même si en blindage, en tout cas, on voit que dalle, mais en soi, il faut comprendre que là, on a donc les 45 mm de blindage, mais il faut aussi comprendre que là, on a des plaques de blindage effectifs. Donc ça peut être intéressant pour contrer, par exemple, les obus, comment on s'appelle, les obus HE. Donc voilà, en tout cas, bon, pour un tier 5, ça reste quand même sympa, puisque, regardez, le char peut quand même rouler jusqu'à 56 km/h. Donc ouais, j'ai oublié de préciser, c'est un char moyen. Donc quand même, pour un char moyen, c'est plutôt blindé. Donc franchement, avoir le char, on croirait que c'est un blindé, mais non, pourtant c'est un char moyen. Donc char moyen tier 5 soviétique. Donc il roule jusqu'à 56 km/h. Donc c'est plutôt rapide. Risque d'incendie un petit peu dangereux, 15%. 500 points de structure.
Le char tire des obus tous les 4,4 secondes, donc c'est plutôt correct, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment cool. Par contre, la vitesse de visée, un petit peu dégueulasse, hein, 2,3 secondes, donc là, il faudra faire vraiment attention. Le char, il faudra mettre un boost de visée là-dessus, ou sinon, dans la manière de le jouer, je dirais que c'est un char qui va quand même se jouer en combat rapproché, parce qu'avec la vitesse de visée, pour sniper de loin, ça va être un peu compliqué. Après, il faut attendre à chaque fois, mais c'est vrai que ça serait un peu trop long, et enfin, pour moi, ça serait mal fait. Moi, je le vois en combat rapproché, le char. Donc, voyez, type d'obus 1 et type d'obus 2, c'est tous les deux de la PCR. Donc, on a une APCR normale et une APCR qui perce un peu plus. Donc, voyez, 12 cm pour la PCR normale, 15 cm pour la PCR, donc, je dirais, premium. La pénétration à 500 mètres, vous voyez qu'elle est quand même de 12 cm pour la premium. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc là, on est sûr de percer quasiment tout le monde. Donc, moi, je jouerais plus à la gold. Bon, après, ça dépend de situation. Hein. Vous jouez comme vous voulez, bien sûr. En tout cas, les dégâts, ils sont à peu près de 110. Au palier 27, on aura McLean, donc qui est un commandant de char. Donc là, on l'aura gratuitement pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas le Season Pass. Ensuite, si on continue, on aura donc au palier 33, pour ceux qui auront le Season Pass payant, Mad Webs, donc commandant de char. Là, c'est intéressant, au palier 45, nous aurons gratuitement pour tout le monde le M56 Scorpion, donc qui est un char, comme vous voyez, donc américain. Donc pour vous donner un peu plus de détails, bah c'est un anti-char tout simplement. Donc on va aller directement ici. Donc c'est un anti-char, donc chasseur de char de rang 7, premium. Donc c'est plutôt intéressant. Ce char roule jusqu'à 45 km/h, le risque d'incendie 15%. Donc en vrai, ça va plutôt bien pour un anti-char. Le char a 820 points de structure, donc c'est plutôt bien. La vitesse de rechargement est de 7,8 secondes, donc ça va, c'est plutôt correct. Avec un petit boost et les compétences du commandant de char, on peut très facilement descendre dans les 6 secondes et des poussières, donc en vrai ça va. Par contre, la vitesse de visée 1,9 secondes, bon c'est limite limite, mais en vrai ça va. Hein. Le seuil, je dirais, entre guillemets, de dangerosité, ça serait de dépasser les 2 secondes. Donc là on est en dessous, donc ça va plutôt bien. Après, avec un petit boost, pareil, on peut facilement régler ça. Donc en vrai ça va, on va pas se plaindre, ça va. Donc on voit que l'obus premium, c'est de la hit contre un obus standard en AP. Donc on voit que à l'AP, on fait quasiment du 22 cm de pénétration contre 27 cm et demi pour de la hit. Donc ça peut être intéressant parce que on voit qu'avec un tier 7, on peut largement percer du tier 10. Mais bon, doutez-vous bien qu'en combat, on n'a pas du tier 10 parce que là, il y a 3 rangs d'écart. Mais en tout cas, voilà, le tier 9, on le perce, mais tranquillement. Là, il n'y a pas à dire. C'est plutôt bien. Et les dégâts sont aux alentours de 240. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la vélocité d'obus. Donc 900 mètres pour la paix standard et 1,2 km pour la gold. Donc c'est plutôt rapide. Ça, c'est vraiment bien. Palier 75, on aura gratuitement Iris Amir, donc commandant de char. Et un autre commandant de char pour ceux qui auront le Season Pass, Youssef Selim. Et le plus intéressant, vous l'aurez compris, c'est le palier 100. Nous aurons gratuitement le HMH M51 Super Sherman. Donc, bah, c'est une M4 Sherman, mais largement améliorée. On voit, il y a un canon de malade déjà. Niveau blindage, bon, bah, c'est pas terrible. Vous voyez que c'est pas ultra blindé, 6 cm pour la tourelle et on va jusqu'à du 9 cm pour le mantelé avant, mais ça se comprend, le char n'est pas un lourd. C'est un char moyen qui appartient donc à la nationalité française. Alors c'est ça qui m'étonne parce qu'à la base, bah, on le comprend, c'est américain, donc je vois pas pourquoi on met la France, c'est américain, c'est une M4 Sherman américaine, donc bon. Ils disent que ça appartient à la France, donc bon, je vais vous dire français, voilà. Donc c'est un tier 8 premium moyen, bah, français du coup. Donc on peut voir que ce char roule jusqu'à 43 km/h, donc c'est plutôt correct pour un moyen. Le risque d'incendie 15%, donc il faudra faire un petit peu attention là-dessus. 1400 points de structure, bon en vrai pour un moyen c'est tout à fait correct. On a une vitesse de rechargement de 12,8 secondes, alors là j'ai envie de dire... Punaise, c'est ultra long, c'est ultra dégueulasse, c'est horrible. Donc là, il faudra bien mettre des boosts de recharge et même aussi assurer sur le commandant de char de bien mettre aussi des boosts de rechargement et de compétences. Parce que alors là, 12,8 secondes pour un char moyen en tier 8, il n'y a pas à dire, c'est dégueulasse. Regardez, même la vitesse de visée, 2,4 secondes. Là, je me dis que le canon, il est bien, mais en fait, il est, bah, il est vraiment nul. Là, faut le dire. Là, ça va pas du tout. Là, c'est une catastrophe. En type d'obus, on aura déjà de la gold APCR, donc ça, c'est plutôt bien. Obus secondaire en premium, de la hit. Les pénétrations vont de 20 cm pour l'APCR jusqu'à 25 cm
pour la gold, donc l'obus hit. Donc c'est plutôt bien. Même si toutefois ça sera un peu compliqué de percer certains tiers 10 hein, en frontal, donc il faudra faire un petit peu attention à ça. Mais sinon en vrai le canon pénétration c'est plutôt bien. Les dégâts au blindage sont de 390, donc en vrai ça va, ça met quand même des grosses patates hein. 390 ça je dirais c'est pour un char blindé standard en tiers 10. Donc en vrai les dégâts ils sont plutôt intéressants. Mais comme je l'ai précisé au niveau du canon, le rechargement et la visée ça va pas du tout là, faut vraiment faire gaffe à ce niveau là. Mais en tout cas la vélocité vous voyez qu'elle est de 1,4 km, je dirais même 1,5 pour arrondir pour la PCR. Par contre pour la hit il faudra faire attention, c'est un peu moins, c'est quasiment 1 km. Et pour ceux qui auront le Season Pass Premium, donc voilà, au palier 100, on aura le Magash 5. Donc c'est un char qui n'appartient pas à la Seconde Guerre mondiale, il appartient à la Guerre froide. Donc le Magash 5, bon après moi j'avoue, j'y connais pas tellement grand chose en Guerre froide, même si toutefois en ce moment je m'y suis un petit peu mis. Bon les blindages de toute façon on peut en parler, on peut en discuter comme on veut, ça sert strictement à rien de le présenter parce qu'on a des chars qui mettent des pénétrations à 50 cm de blindage, donc c'est quasiment ridicule de parler d'un blindage d'un char en guerre froide hein, bien évidemment. Donc le Magash 5 qui appartient aux indépendants, donc c'est un char moyen, premium. Le char peut rouler jusqu'à 62 km/h, le risque d'incendie 15%, donc il faudra faire un petit peu attention. 2800 points de structure, vitesse de rechargement 8,2 secondes, en vrai ça va si on met des petits boosts, et la vitesse de visée 1,80 secondes, donc en vrai ça va aussi, même si on peut se mettre un petit boost, ça serait vraiment génial. Donc là au niveau du canon, le rechargement etc, c'est plutôt nickel. La pénétration, donc comme je vous l'ai dit, c'est ridicule, regardez, 42 cm et 49 cm, bon allez 50 cm pour arrondir à la gold, donc comme je l'ai dit, c'est n'importe quoi, donc ça sert à rien de parler d'un blindage d'un char en guerre froide. Les dégâts sont de 460 à peu près, bon c'est relativement la moyenne par rapport aux autres chars, donc en vrai ça va. Et la vélocité d'obus elle est intéressante, 1,5 km pour les deux, donc on a des tirs qui sont plutôt rapides, donc ça c'est vraiment bien. Alors maintenant que je vous ai présenté le plus gros, on va passer aux petits détails mais qui toutefois sont bien. Regardez, on a une interface pour les chefs de chars qui ne sont pas affectés. Alors vous le saviez, quand on va sur un char et qu'on a un chef de char affecté dessus, on a son nom, donc ça c'est plutôt bien, hein, on le savait. Mais par contre, on n'avait aucune information pour les chars où il n'y en avait pas, tout simplement. Donc là, on voit aucun chef de char affecté, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, autre précision, comme on le voit sur la cinématique de World of Tanks sur cette saison, on peut voir qu'il y a un système de missiles qu'on peut détecter. Donc ça, ça existera que en guerre froide. Donc comme vous pouvez le voir, on a un indicateur comme quoi on est en train de se prendre un missile en pleine poire. Donc ça, c'est plutôt bien parce que des fois, on sait qu'on est visé, mais on ne sait pas forcément que c'est un missile qu'on va se prendre. Et ça, les missiles, c'est ultra violent. Donc ça, c'est bien d'avoir une précision là-dessus. On peut lancer des fumigènes dans les airs, donc on peut déjà le faire au sol, mais maintenant on aura la possibilité aussi d'en lancer dans les airs, donc ça c'est plutôt correct, ça peut être du détail pour fuir les chars qui sont en hauteur par rapport à nous. Et comme on peut le voir à la fin de la cinématique, il y a des additional features, donc des petites choses supplémentaires rajoutées. Donc on voit qu'il y a le PERS matchmaking system, donc ça pour vous l'expliquer c'est qu'en fait dans le matchmaking ça sera beaucoup plus équilibré entre notre équipe et les adversaires, c'est à dire qu'en fait ils vont faire en sorte qu'il y ait par exemple le même char autant chez les alliés que chez l'ennemi, donc ça va être vraiment entre guillemets un effet miroir si vous voyez ce que je veux dire. Le non-merc contract, ça par contre je suis désolé, j'ai pas compris ce que c'était ce truc là. Et on a donc une remastered map, donc Alphaya Pass, donc on aura, vous l'aurez compris, une nouvelle map, la map Alphaya Pass qui a été remasterisée. Donc c'était une map de l'époque sur le World of Tanks console, donc je suis vraiment content de la retrouver. C'est la map avec un énorme désert, un petit peu dans une ambiance tropicale, avec même un aéroport en bas de la map et un grand ruisseau. Je me souviens cette map, franchement ça faisait vraiment longtemps, donc ça je suis vraiment content parce que on voit qu'à chaque saison ils rajoutent des nouvelles maps et ça c'est plutôt cool. En tout cas les gens, j'ai terminé de présenter la saison 14 de World of Tanks, j'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura bien renseigné. Dites-moi dans les commentaires si cette saison 14 est susceptible de vous plaire. Moi en tout cas, il n'y a pas à dire, moi elle me plaît, tant qu'il y a des nouveaux chars, des nouveaux éléments, des nouvelles maps, des améliorations dans le gameplay, moi je suis content, donc vraiment c'est ce qu'il faut, moi ça me fait plaisir. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir? Dites-le moi. Aussi les gens, je vous invite à me suivre sur les réseaux si jamais vous voulez un petit peu
plus d'informations, donc vous les trouverez dans la description. Les réseaux permettent à ce que je vous envoie des notifications personnalisées lorsque je suis en live ou que je sors une vidéo. Et au passage, s'il y a des nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications comme vous pouvez le voir à l'écran. Et sur ce, les gens, c'était Cloud Gaming et je vous dis ciao tout le monde.